Aujourd'hui, je vous embarque pour la Nouvelle-Zélande avec un superbe roman familial qui s'appelle Le Patriarche de Viti Ihamehara. C'est un roman qui se situe dans les années 50 en Nouvelle-Zélande dans une famille de Maoris chrétiens qui a fait fortune dans la tonte de moutons. C'est vraiment super parce qu'en fait, c'est très très loin des clichés qu'on peut avoir sur la Nouvelle-Zélande et les Maoris. Et pourtant, c'est très ancré dans un territoire, c'est très ancré dans une époque. On est avec eux dans les années 50, on suit une famille avec 10 enfants et un patriarche complètement tyrannique qui va en faire voir des vertes et des pas mûres à toute sa famille. Et c'est rythmé, c'est un beau moment de littérature, une belle évasion. Ça sent le rock'n'roll et ça sent le mouton. C'est la Nouvelle-Zélande des années 50 avec le patriarche, un beau moment de lecture.